Salut tout le monde, ici PH pour Stack.ca. Présentement live pour le break numéro 41 et j'ai encore de la voix. Oui, oui, j'ai encore de la voix. Tantôt 42. Wow! Que de surprises on a eu! Je vous gâche pas la surprise. Allez voir la replay, là, la finale. L'avant-dernière boîte, allez voir ça. Ouh, ça vaut vraiment la peine. De toute façon, on va en avoir d'autres ici parce qu'on a un beau 6 boîtes pleines de Young Guns, que des hobbies. Alors 6 boîtes possiblement avec des. High Gloss, exclusive, ou peut-être des Clear Cut exclusive. Alors, on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai juste hâte d'aller vous ouvrir ça. Bienvenue à tout le monde. Ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ben, je suis content de vous voir. Ceux qui l'étaient, ben, content aussi de vous revoir. Et on va avoir du plaisir pour probablement les prochaines 45 minutes, peut-être une heure. On va voir si je prends mon temps ou... J'essaie de pas trop faire ça trop vite, qu'on ait du plaisir, qu'on puisse discuter un peu, mais en même temps, on veut voir ce qui se cache. On va aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, plutôt simple, je fais encore une fois, je m'excuse pour tous les anciens, mais pour les nouveaux, un mini rappel, un break, boîte en commun, 31 équipes, 31 places de disponibles. Salut mon Jeff! Et au bout de 3 fois de brassage de chacun, on assemble les deux listes. Vous voyez attribuer une équipe. Cette équipe, vous voyez, on va ouvrir les paquets. Dans chacun des paquets, dans chacun des paquets que vous avez une carte de cette équipe, ben, c'est à vous. Et on vous l'envoie par la poste. Délai 24-48 heures. Il y a des problèmes. N'importe quoi. Vous m'appelez, vous m'écrivez ou vous écrivez à l'adresse de stack.ca. Et on va vous aider. Ça va nous faire un grand plaisir. Je vous rappelle en passant à tous ceux qui participent à nos breaks, là, on n'envoie pas les bases. Mais avant votre achat, il y a une petite case au-dessus du prix ou en dessous. Bref, avant de cliquer sur Checkout, il y a un bouton. Clique pour aller récupérer vos bases. Cliquez ça. Moi, quand je vais aller chercher les commandes, je vois que vous voulez vos bases. Alors, si vous cliquez, je vous les envoie. Vous pouvez toujours venir me voir en privé et me dire hey, « je veux bien pas, j'ai oublié ». Ben, je vais le faire, ça va me faire un grand plaisir. Mais c'est beaucoup plus facile si on l'a directement sur votre commande. Comme ça, ben moi, je fais le tri et je peux vous envoyer ça tout de suite. Parce que des fois, je suis assez rapide, je peux faire le tri et envoyer en très peu de temps. Fait que, on évite les problèmes comme ça. J'en ai pas eu à date. Je vais juste le mentionner pour m'assurer que tout le monde sache que l'option existe. C'est très important. C'est important que vous sachiez que c'est à vous. C'est vos bases. Si vous les voulez, on peut vous les fournir. Alors voilà. Boum! Ben oui! Plein pas plein en break. Quelques personnes se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? On en a un exemple. Alors, nous avons 4 places qui n'ont pas été vendues. Ben, ça arrive. Ça fait partie de notre promesse. Alors, pas de raison qu'on ne le fasse pas. Alors, 4 places seront distribuées au hasard. Oui, oui, parmi les 27 places déjà à l'intérieur du break. Alors, il va y avoir 3 brassages, encore une fois, à vérifier par le site de random.org. Le résultat va mettre les 4 noms dans les places libres que vous voyez au bas ici. Là. Et à la suite de ça, un brassage des équipes 3 fois, un brassage participant-participante 3 fois, et on assemble le tout. Que diriez-vous? On va aller le voir. Alors, ça se passe une petite affaire vite, mais vous allez voir la subtilité. Et si vous gagnez, vous devriez recevoir une notification. Hein? C'est facile, c'est simple, on y va? Alors, je me craque les doigts, je suis prêt. Alors, je vous dis dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, mon comptage est à 2 secondes près. Alors, c'est un départ pour notre premier brassage ici. On y va pour le deuxième. Deuxième brassage. Mystère. Qui aura des places? Oh, Florence, Marc-André, j'ai pas vu les deux derniers, c'est un peu trop pâle. Mais l'important, c'est là. Qui gagnera ces dernières places? Félicitations, Carl, Florence, Alexandre et Marc-André! Félicitations à vous quatre! Gratuitement, vous avez une place pour le break. Ah, mon imprimante. Et bye-bye. On va entendre mon imprimante. Alors, pour le brassage des équipes, c'est parti. On y va une fois, des Rangers All Stars. Je vais essayer de l'enterrer là, pour pas que vous l'entendiez. La deuxième brassage, disons, de Minnesota à Dallas. Et le troisième brassage, yeah. Félicitations Alex, de Détroit à Edmonton. Edmonton a été payé en dernier break, je vous dis ça comme ça.
Maintenant, le tour des participants. C'est parti de Jean-François à Marc-André. Deuxième brassage. C'est effectué de Kevin à Sammy. Kevin à Sammy. Et notre dernier brassage. C'est fait de Pierre-Luc à Jack. Alors, allons-y. La distribution est faite. Je vous rappelle les petits... Oups, là bas, ici. Les petits codes que vous pouvez les consulter en tout temps via le site de random.org. Le premier est pour la distribution des quatre dernières places qui n'avaient pas été vendues. Pas été vendues. Le deuxième est pour les équipes et le troisième pour la liste des participants et participantes. Alors voilà, on perd plus de temps. On y va? Et voilà, je vous ramène la liste. Alors, 6 belles boîtes. J'ai envie de faire un concept, ben nono. Mais j'aime pas ça faire une année. Regardez bien ça. Une fois. On va faire 2 piles. Alors, on va faire une année et demie. Je peux dire ça comme ça, parce que 2 séries par saison. Et allons-y dans cet ordre. Hein? C'est-tu pas un bon deal? Alors, on a 6 boîtes. 2 de chacune des séries, série 1 et 1 de chacune des années 19-20-21 et 2 de 20-21 série 2. Alors, c'est parti. Alors, on devrait avoir un total de 36 Young Guns. Hein, 6 x 6, 36. Ça exclut les Young Guns, Canvas et tout autre type de variation ou de déclinaison. 2 secondes. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une Young Gun Canvas dans une boîte, ben ça compte pas dans les 6. Alors, ils garantissent 6 Young Gun. Young Gun. Mais une Canvas, une Exclusive, une High Gloss, Clear Cut ou tout autre type qui pourrait survenir ne compte pas dans la déclinaison des 6. Alors, le potentiel est un peu plus élevé que 36. Je vais tout de suite aller chercher mon petit podium. Ça nous a été bénéfique tantôt. Alors, je vais en mettre 2 de haut. Parce qu'on va chercher de la hauteur. Alors, voilà. C'est fait ici. Nos boîtes sont prêtes. Les paquets sont prêts. 24 paquets de 8 cartes. Certains peuvent ne pas contenir les 8. Vous me connaissez un peu. Je les compte généralement quand j'ai un doute. Alors, que de transparence. C'est parti pour notre premier paquet. Bonne chance! Et on y va! Shooting Stars de David Pasternak pour les Bruins de Boston. David Pasternak pour les Bruins de Carl. On continue avec une Connor McDavid qui ne sera pas autographiée. Celle-ci, malheureusement, je vous donne un petit indice pour ceux qui n'étaient pas dans le break précédent. Ouais. Connor McDavid, insert 30e anniversaire pour les Oilers. On risque de la partager un petit peu avec vous. Oh, j'en ai encore quelques frissons. Ok, oui. Energy, Alex Ovechkin. Excusez, j'étais un petit peu à côté crush. Ah, voilà, là c'est mieux. Pure Energy, Alex Ovechkin pour les Caps de Washington. Tantôt, je vous parlais des bases, là, mais ceux qui ont commandé leur base, je vous oublie pas, c'est juste que je le fais après. Donc, lors du triage des cartes par équipe. Je ne fais pas ça pendant le break, puisque ça serait un petit peu un peu long. Canvas ici, de Vincent Trocheck, pour les Panthers. Ah, monsieur suspendu. Monsieur coup de bâton au visage. Pavel Luzhnevich. Il y en a-tu qui ont regardé ça live hier, le match... c'est ailleurs, hein? Le match Washington contre les Rangers. Oh, une Young Gun, notre première pour les Bruins de Boston. Zach Senishin. Première Young Gun pour les Bruins de Carl. Alors, Zach Senishin. Je sais que ça a dû brasser un peu, là. Alors, Zach Senishin pour les Bruins de Boston, première Young Gun. Ça a l'air qu'il est en première période. Les Caps avaient habillé 11 attaquants.
Il y en avait plus de la moitié qui était sur le banc à cause du qu'ils s'étaient battus. Du bon vieux hockey, comme dans le temps. Connor Hellebuyck pour les Jets de Winnipeg. Connor Hellebuyck. Le gardien des Jets. Prochain paquet. Alors, on y va ici avec une Pure Energy. Zach Parise pour le Wild du Minnesota. Oui, bah, le blanc. Alors, prochain paquet, on y va tout de suite avec une autre Young Gun. C'est Taro Heroes pour les Red Wings de Détroit. Taro Heroes. Taro Heroes. On a eu une belle Heroes. C'était-tu hier? Taro Heroes. Ouais, je crois que c'était hier. Taro Heroes. Si on veut le mettre ici, là, se donner un petit peu de motivation. Pour sortir des belles Young Guns ou des belles cartes. J'ai envie de voir une exclusive ou une Nightless ce soir. Qu'en dites-vous, vous autres? Ben Bishop, Canvas ici pour les Stars de Dallas. Stars de Dallas. Ben Bishop. Es-tu revenu au jeu, lui, finalement? Pour les Kings, Wayne Gretzky. Insert Wayne Gretzky avec la chevelure dans le vent dans les années fin 80. Wayne Gretzky pour les Kings. Prochain paquet. On y va avec une Portraits. Portraits de Tuukka Rask. Tuukka Rask. Portraits pour les Bruins de Boston. La cucaracha, la cucaracha. Le prochain, c'est une autre Young Gun ici de Connor Timmins pour l'Avalanche du Colorado. Connor Timmins. Lui, quand je le vois, je pense à Trevor Timmins. Absolument rien contre l'homme, mais le poste. Je pense que le Canadien de Montréal est dû pour un petit ménage au point de vue du recrutement. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste mon avis. Je sais pas qu'ils ont fait que de la chenoute, mais il y a place à amélioration. Pour les Ducks d'Anaheim, Cam Fowler. C'est une clear cut pour Kevin. Alors, clear cut ici de Cam Fowler. Clear cut pour les Ducks. Voilà. Je vais aller faire un petit tour à la fin du break pour m'assurer, parce que je sais qu'en 19-20, il y avait des variations. Donc, c'est des images variations différentes. Mais ça arrivait souvent dans les paquets où il n'y avait pas de hit. Brock Besser, Pure Energy pour les Canucks de Vancouver. Alors, ce que ça veut dire, c'est que soit qu'il y avait deux cartes dans le même paquet qui était un hit, sinon il y avait juste celle-là, puis l'image était différente. C'était difficile à savoir, il fallait vraiment connaître la liste des variations. Ryan Nugent-Hopkins pour les Oilers d'Edmonton. C'est une canvas, bien sûr. Hein? Nul besoin de vous le rappeler. Le prochain paquet. Nous avons une Young Gun. Ici, c'est Carter Verhage. Carter Verhage. Quand même, une solide saison, ce joueur. Solide. Malheureusement, je pense qu'il s'est blessé. Alors, Sammy, pour le Lightning, Carter Verhage. Young Gun. Devient notre quatrième de cette première boîte. Si je sais compter, 2, 3, 4, exactement. Tiens, Carter Verhage va aller faire un tour sur le podium de la gloire. T'es dans le break, mon Jeff? Ouais, c'est vrai, j'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom, mon Jeff. Portraits ici de... excusez-moi, Ryan Getzlaff pour les Ducks.
Qui t'a eu, mon Jeff? Jean-François. Voyons. Ah, les Blues. Les Blues. La métropole. Pour l'Avalanche du Colorado, Patrick Roy. Insert 30e anniversaire. Patrick Roy. On y va. Prochain pack. Hein? Pure Energy. Pour les Flames de Calgary. Johnny Hockey. Johnny Gaudreau. Oups. Mauvaise pile. Désolé. C'est drôle parce que je pense que je l'ai mis sur sa base. Mystère de la vie. On continue ici avec le prochain paquet. Une autre Young Gun. Et c'est Libor Hayek pour les Rangers. Ben, je te souhaite bonne chance, mon Jeff. Je te souhaite une très bonne chance. Je sais qu'il y a un petit jeune pour les Blues de Saint-Louis. Que je me rappelle jamais son nom, mais que j'appelle Ricola. Alors, Libor Hayek pour les Rangers. Nicolas, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça, Nicolas. J'ai vu quelques cartes de ce petit joueur circuler dernièrement. Quelques personnes qui s'y intéressent. Je sais pas s'il est bon. Il semble être un Finlandais, hein? Nicolas. Ça sonne comme ça. Canvas ici, Connor Hellebuyck. Donc, Canvas de Connor Hellebuyck. Mikola. Exactement, c'est ça, Mikola. Nico, je pense. C'est Nico Mikola. J'ai déjà vu un peu son nom passer, mais je saurais pas dire. As-tu participé au championnat junior? Generation Next pour Columbus, Pierre-Luc Dubois. Dernier. Non, avant-dernier paquet. On en a deux packs. Oui, parce qu'il nous reste une Young Gun. Normalement, ça va être dans le dernier pack. On y va avec une Portrait de Brent Burns. Brent Burns pour les Sharks de San Jose. Dernier pack. Et c'est une Young Gun de Carson Twarinski. Carson Twarinski. On dirait qu'à chaque année, ça me prend un nom étrange. Twarinski se qualifie assez bien comme nom un peu étrange. Drôle à dire. Carson Twarinski pour les Flyers Young Gun. Les Flyers de Patrick. Et la magie de la chose, c'est qu'on a une autre boîte tout à l'heure. Mais on va faire un petit saut en 2020-21, série 1. Alors, vous comprendrez, je les ai fait en ordre de sortie. Par intervalle dire, de série. Donc, série 1, 19, 20. Série 1, 20, 21. Et série 2. 24 nouveaux paquets. Deuxième boîte de ce break. Alors, on change d'année. On tombe en 20, 21. La série 1, bonne chance. Juste assez ça ici. Comme ça. Et c'est parti. Alors, il faut se faire à l'idée un nouveau design. Voilà. Alors, NHL Worldwide pour les Blackhawks. Blackhawks de Chicago à Kevin. Patrick Kane. Patrick Kane. Mikola. La prochaine carte est une Canvas Nikita Kucherov. Pour le Lightning de Tampa Bay. Prochain paquet. Sherweber. Et notre première Young Gun ici, c'est pour les Sénateurs. Josh Norris. Josh Norris. Je suis tellement déçu là. J'ai vraiment pas suivi l'évolution des joueurs recrues cette année. J'ai comme eu un total manque de temps pour me pencher sur le développement des joueurs qui ont une Young Gun et qui sont recrues cette année. Josh Norris pour les Sénateurs d'Ottawa. As-tu bien été, lui? Il me semble qu'il est quand même relativement bien apprécié de l'entourage des gens dans le hobby pour son talent. Est-ce que je me trompe?
Josh Norris. Je sais que j'ai une carte de lui sur une certaine plateforme que je devrais pas nommer, mais je m'ennuyais. Je l'ouvrais des paquets. Puis... Ben oui, j'ai ça sur la fameuse plateforme de Upper Deck, là. Hey, pack. Mackenzie Blackwood Dazzlers. Je crois qu'elle est bleue. Et j'ai pas seulement sa Young Gun, mais elle est exclusive. Alors, Mackenzie Blackwood pour les Devils du New Jersey de Francis. Bien ça, Francis, excuse-moi. C'est pas ma vue qui est mauvaise. C'est vraiment l'écran qui est un peu loin. Et des fois, les François, Francis. Ça va bien? Nice! Je suis content d'apprendre ça, François. Non pas parce que j'ai la Young Gun exclusive de Norris, mais parce que je trouve que c'est une équipe qui mérite un petit peu, là, un petit peu de gloire. Là. Les Sénateurs ont eu des bonnes époques dans le temps, ce qu'il y avait Dominique Hasek, même Yashin quand il était là, puis Chara même quand il était là, mais ça fait quelques années. Là. Ouais, on se réchauffe légèrement. Cette fois-ci, c'est une Reed Duke Young Gun. Reed Duke pour Las Vegas. Las Vegas. Ah, c'est toi, Francis. Parfait. Francis, il me semble que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Frankie Boy. Salut, Jean. Salut. Prochain paca. On y va. Et c'est une portrait de Nicolas Beaudin. C'est drôle parce que lui aussi, j'ai sa Young Gun exclusive. J'en ai deux. J'en ai pas 50. Nicolas Beaudin, Yuli Portraits Rookie. C'est pour les Blackhawks de Chicago. J'ai sur mon compte deux Young Gun exclusives, dont Josh Norris et Nicolas Beaudin. C'est-tu pas merveilleux? Alors, on a fait le tour. La prochaine ici est une NHL Worldwide. Mais pourquoi pas? De Connor McDavid. Connor McDavid pour les Oilers. Tant qu'avoir une insert, aussi bien d'avoir une de Connor McDavid. Jean 2. Nous avons une canvas Leon Draisaitl. 2 en 2 pour les Oilers. Leon Draisaitl. Ça serait bon, ça. J'aimerais ça avoir une Peyton Krebs. High loss. Ça serait excellent. Je sais qu'il est très, très convoité. Je pense qu'il a joué un peu, lui, cette année. On a une Young Gun. Et la prochaine Young Gun. Et c'est pour Toronto. Nick Robertson. S'il n'avait pas été blessé toute la saison, j'aurais peut-être crié un petit peu plus, là. Mais excellent prospect pour Robert. Nick Robertson. J'étais tellement sûr qu'il allait avoir une bonne saison que je l'ai même repêché dans un de mes pools de hockey, puis malheureusement, il a passé quasiment plus que le trois quarts de ma saison sur le banc des joueurs blessés. Nick Robertson, Young Gun pour Toronto. C'est une très bonne Young Gun à avoir, ça. Je pense que son développement, j'espère que Toronto vont pas massacrer son développement. Là. Pas qu'ils sont bons pour faire ça, mais... Tu sais, des fois, là, quand ils ont trop de joueurs dans une équipe, ça peut faire des flamèches. Dazzlers pour les Panthers de la Floride, Alexander Barkov. Allez, rentre là. Et elle est bleue. Je pense. Oh, je pense que oui. Alexander Barkov, Dazzlers. C'est pour les Panthers. Prochain paca. Rose? Elle était rose? Es-tu sérieux? My God. Hey, je pense que je vois les formes différentes entre bleu et rose. Ben, merci beaucoup. Oh, on a une belle petite Young Gun. Liam Foody pour les Blue Jackets de Columbus. Blue Jackets, juste refaire un mini topo. Si vous le saviez pas, peut-être. Je vais peut-être me radoter un peu dans les premiers temps.
Mais faites-vous-en pas, à un moment donné, ça va être acquis, tout le monde va le savoir. Je suis daltonien. Donc, daltonien, c'est pas une grosse maladie contagieuse. C'est tout simplement que je différencie mal mes couleurs et mon axe des rouges est déficient. Alors, Liam Foodie, pour Columbus, Young Gun, ça ne fait pas que je vois pas les couleurs, mais je les différencie mal. Alors, par contre, je compense avec une vision. Presque plus que 10 sur 10, alors j'en profite, le temps que ça dure, ça serait peut-être pas éternel. Ben Bishop, Portraits pour Dallas. Ben, oups, mauvaise pile. Ben Bishop pour les Stars de Dallas. Alors voilà, c'est dit, c'est fait, j'ai aucune honte, il n'y a rien de mal. Si je passe quelque chose ou je pose une question bizarre, faites-vous-en pas sur les couleurs, c'est mon seul défaut. Non, c'est pas. Totalement faux. La prochaine pour les Oilers d'Edmonton, Tyler Benson, Young Gun. Tyler Benson, défenseur, pas un défenseur, pas en tout. Je me suis trompé avec Broberg, excusez-moi. C'est pas un défenseur. Je retire ce que j'allais dire. Alors, Tyler Benson, Young Gun ici pour les Oilers d'Edmonton. Plusieurs m'ont déjà demandé, ça t'intéresse pas les fameuses lunettes là? Il existe une paire de lunettes, ça fait plusieurs années qu'une vidéo circule sur les réseaux sociaux là. Un type de paire de lunettes qui permettrait aux gens qui ont des problèmes de daltonisme comme moi de pouvoir voir les couleurs en vrai, entre guillemets, là, comme une personne normale le voit. Nathan MacKinnon, Canvas pour l'Avalanche du Colorado. Mais je vais être honnête, non, ça me tente pas. Pas besoin, ça fait mon charme. Ça non plus, je ne l'ai pas lu ou vu Fifty Shades of Machin. Alors, prochain paquet. Ici, Parade Dominant, Artemi Panarin pour les Rangers de New York. J'aime ça faire la conversation, moi. Mais non, non. Je sais par contre que ce film-là, ou en tout cas ce livre-là, selon le média que vous l'avez vu, il est réputé pour ses histoires à connotation sexuelle. Et non, je ne ferai certainement pas ça en public. On a une clear cut pour les Red Wings de Détroit. Philippe Zadina. Alors, Philippe Zadina, ici. Clear cut. Deuxième clear cut en deux boîtes. On est dû pour une troisième, et la troisième, je vous le dis, va être une Young Gun. Alors, Philippe Zadina pour les Red Wings de Détroit de Pierre-Luc. Que non, j'ai pas tant le. Premièrement, j'ai pas à exposer ça publiquement. Et deuxièmement, surtout pas dans un livre non plus. Capo Caco pour les Rangers, Debut Dates. Alors, pour ceux qui se demandent vraiment de quoi je parle, Alexandre sur la plateforme de YouTube est en train de me proposer de me comparer, disons, à 50 Shades of Grey en disant 50 Shades of PH parce que je raconte ma vie. Dites-le moi si jamais je parle trop. Je peux faire ça dans un calme plat aussi. Ça me dérange pas. Portraits, Quinn Hughes. Oh, j'étais mal enligné parce que je commençais à tourner. Alors, Quinn Hughes, Portraits. Pour Vancouver. Le prochain paquet, il nous en reste 3, 4, 5, 6 avec lui et dans les mains. On y va avec une Young Gun, Jake Oettinger, le gardien des Stars de Dallas, Jake Oettinger. Pas vrai? Alors, je sais pas, moi. Je suis daltonien. Même les jokes de couleur, je les comprends pas. C'est trop subtil pour moi, Alex. Alex qui me spécifie que c'était plus un comparatif par rapport aux couleurs. Mais je l'ai pas lu, vu, donc j'ai absolument aucune idée si les couleurs ont un certain rapport dans cette. C'est une trilogie, si je me trompe pas. Et je pense pas vraiment que je vais regarder ça un jour. Sam Steele, Canvas pour les Ducks d'Anaheim. Regarder ou lire, c'est pas tant.
Alors, si jamais il y a un lien à faire avec les couleurs autres que le titre, que je présume Shades, qui veut dire probablement nuance, j'aimerais mieux qu'on parle de touches de gris plutôt que de nuances de gris. Oh! Eric Stahl, Predominant pour les, le Wild, oui, le Wild du Minnesota. Maintenant, un membre du Canadien de Montréal. Il me semble que je n'ai pas entendu son nom très très souvent récemment dans les récits des matchs du Canadien. Comment c'est fort avec son premier match. Version française, parlant du Canadien, Thomas Tatar. Un petit Tatar. Pour le Canadien de Montréal, de Florence. Tiens, Florence, ça me fait penser un peu à ce qu'on discutait un petit peu dernièrement cette semaine par rapport au Canadien de Montréal. Je ne sais pas si tu es une fan de Thomas Tatar, mais tu as une variante française. Variante française de Thomas Tatar. Alex me dit sur YouTube, je connais pas trop le daltonisme. Mais c'est pas ça que tu vois certaines couleurs en gris. Non, non, non. Justement, donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de voir en gris. Ça, c'est pas le daltonisme, en fait. Ça a un autre nom, mais je pourrais pas te le dire là. Il faudrait que je le cherche. Et je pense pas que c'est un intérêt très, très important, capital, en ce moment. Ouais, moins fan, ouais. Flair, c'est un peu moins fan du Canadien après leur défaite de ce soir. Kirby Dack, rookie rétrospective ici, Kirby Dack pour les Blackhawks de Chicago. Donc non, mon Alex, le daltonisme en fait, c'est tout simplement une lacune dans mes axes de couleurs. Moi, mon axe déficient, c'est l'axe des rouges. Donc toutes les couleurs qui sont composées du rouge, en général, j'ai de la difficulté à les distinguer. Mets-moi un bleu et un mauve, et il y a des grosses chances que je sache même pas dire lequel est bleu et lequel est mauve. Portraits. Pour le Wild du Minnesota, Matt Zuccarello. Alors, boîte sans quelque chose de fun. Hein? Il manquait quelque chose dans cette boîte-là. Il manquait quelque chose. On va aller trouver ça dans les autres boîtes après. OK, on a gardé les meilleurs pour la fin. Non, je ne vois pas en gris. Parce que si je voyais en gris, je serais même pas capable de savoir si c'est bleu ou rose, les Dazzlers. Ceux qui voient en gris, en fait, c'est... j'ai oublié le nom complètement. Mais en tout cas, le vrai terme daltonisme, un daltonien, le vrai terme s'appelle un deuteranop. ça sonne un peu bizarre. À toi aussi, mon Robert. Bon, yes, sir. C'est ça, mon Robert. Alors, Robert, sur Facebook, me comprend lui-même en étant daltonien. Alors, welcome to the club. Je l'ai peut-être depuis un petit peu plus longtemps que moi, mais on fait tous partie du même club. Et, moi, j'en ai pas honte. On s'entend que ça peut même être très drôle. Je sais en rire. Alors, c'est ça le plus important. Pour les Jets de Winnipeg, rétro de Mikhail Berdin, marqué rookie. L'important, là, c'est vraiment savoir et l'accepter. Quand on a fait ces deux étapes-là, là, c'est vraiment pas un handicap. Là. Sauf si on veut devenir pompier. je vous confirme, pour être pompier, il faut pas être daltonien. La prochaine carte ici, Mackenzie and Twistle. Et c'est celui que je vous disais que j'apprécie toujours les noms bizarres. Et lui en a tout un, and Twistle. Pourtant, c'est un Canadien. Mackenzie and Twistle. Alors, on a Carson Twaritzky en 19-20. Et Mackenzie and Twistle, Young Gun, pour les Blackhawks. Alors, Kevin, étonne-toi pas, tu risques d'avoir quand même plusieurs petites Young Gun de la part des Blackhawks de Chicago. Série 2, je crois qu'il y en a 6. Je sais pas qu'on va toutes les avoir, mais t'as... 6 sur 50, c'est un bon chiffre, c'est une bonne moyenne. C'est plus que 10%. Thomas Harley pour les Stars de Dallas Portraits Rookie et une variante française de Ryan Graves. Alors, le vrai terme, essayez de répéter ça
sans bégayer la première fois. Deutéranope. Alors, le vrai terme deutéranope signifie que j'ai ces deux trucs qui fonctionnent pas. Alors, Ryan Graves, variante française pour le Colorado aussi de Mario. Voilà. On continue. Notre première Young Gun n'a pas fait bon, mais la prochaine. Ah, ouais, donc. Là, on est dû. Sérieusement, là, je vais être honnête avec vous. D'habitude, au moins une exclusive, là, après plus qu'une douzaine de boîtes, là, c'est fréquent d'en avoir. Là, j'en ai pas eu du tout dans toutes les boîtes que j'ai ouvertes pour vous. Chase Prisky, Young Gun pour les Panthers de la Floride. Et Florence, tu me demandes, ça change quoi? Ça change qu'ils sont écrits en français plutôt qu'en anglais. Alors, plus précisément, toutes les cartes de Upper Deck, normalement, sont inscrites en anglais. La plupart. Okay? Donc, Chase Prisky Young Gun pour les Panthers. Et, une belle marque. Pour la majorité des cartes. Là, ils ont... Écoutez, 2010-2011, l'année de Piqué Subban, je m'en souviens plus. En tout cas, dans ces années-là, ils ont sorti une édition canadienne de série 1 ou 2. J'ai un petit blanc de mémoire. Là. Je m'excuse, hein, je parais pas savoir de quoi je parle. Donc, Kevin Labanc, Canvas pour les Sharks de San Jose. Et dans cette année-là, il avait sorti des Young Guns, juste les Young Guns qui étaient des variantes en français. Puis ils appelaient pas les jeunes loups, comme dans l'édition qu'on a présentement, mais ils appelaient les jeunes lanceurs. Par contre, étant donné que c'était une édition uniquement canadienne et que c'était majoritairement vendu dans des régions plus francophones, ils n'ont pas eu une très belle valeur, disons. Cette année, c'est le produit au grand complet. Ici, on a une OPC Marquee Rookie de Artem Zagidoulin pour les Flames de Calgary. Alors, dans tout le produit complet, ils ont fait le set des 200 bases de 450 et... Non, je m'excuse. De 200... 301? Bon, non. 251, c'est ça. De 251 à 450, il y a un set de base avec écrit dessus variante française. Alors, tout simplement, au lieu d'être écrit en anglais, c'est écrit en français le texte, la description du joueur, son historique et tout ça. Juste le temps de vous dire qu'on a une Nikolai Nishov Portraits Rookie pour les Sharks. Alors, une variante, ça veut juste dire que c'est une déclinaison plus rare d'une carte. Alors, dans ce cas-ci, si on prend celle qu'on vient d'avoir de Ryan Graves, je prends 30 secondes tout le monde, juste vous montrer. Alors, Ryan Graves, ici, on a le c'est supposé être écrit Colorado, mais c'est écrit variant française, et c'est pas une sorte de COVID. Et en plus, c'est écrit en français, défenseur. Et tout le texte qu'on voit ici, Graves a été le meneur de la LNH, blablabla. C'est juste que la quantité de variantes françaises est plus petite, donc sont plus rares. Alors ça a une valeur un petit peu plus élevée. Et pour les Young Guns, il n'y a pas de variant française. Par contre, au lieu d'être Young Guns, ils les appellent les Jeunes Loups. Et voilà, c'est l'historique par rapport à ça. On a ici une belle carte Young Gun pour les Canucks de Vancouver, Jalen Chatfield. Alors, le fait que ça soit français, c'est pas que ça change quelque chose, mais sur le principe de la collection, il y a une rareté. Et qui dit rareté, en général, dit une plus grande valeur, mais ça dépend surtout de quel joueur et quelle équipe, etc., etc. Alors, dans ce cas-ci, Ryan Graves, variante française, comparé à sa base, ben nécessairement, quelqu'un qui voudrait faire le set complet. Alors, Jalen Chatfield, pour les Canucks de Vancouver, Young Gun. La personne qui voudrait faire le set complet, régulier et en variante française, va rechercher les variantes françaises et va nécessairement devoir débourser un peu plus que le coût d'une base régulière parce qu'elles sont plus rares. Je ne sais pas si j'ai quand même bien résumé ça. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je vous invite à le faire. Cam Fowler, Canvas. Exactement, comme t'as tout seul, mon Alex. Cam Fowler, Canvas pour les Ducks. Alors, dans un break antérieur,
Alexandre participait et a eu la chance d'obtenir une Tim Stutzel Young Gun Jeune Loup. Et une Jeune Loup dans les Young Guns sont très convoitées, beaucoup plus que les bases. Matt Dumba, gagnant du trophée Clancy. Et remarque, en passant, je dis français, là. Les OPC portent le français et l'anglais, contrairement à la majorité du set de série 1 ou de série 2. Ouais, Jean, c'est assez tranquille, hein. Je m'excuse, là. J'ai réservé pour la fin. Over trop bien, Seigneur. Jeff. Over trop bien. Je sais pas trop si c'est un compliment ou une critique en même temps. Michael McNevin, Marky Rookie Retro pour le Canadien de Montréal. McNevin. Croyez-moi, ça va sortir. Ça va sortir. On est vraiment dû. Comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, là, je peux pas croire. Ça fait beaucoup de boîtes que j'ouvre dans des breaks. Puis la difficulté là, à sortir des belles cartes. Pas qu'elles sont pas belles. Très beau hit ici. Là. Nico, pour les Blues de Saint-Louis de Jeff. Justement, on en parlait un peu plus tôt. Une Young Gun du jeune Nico Mikola, défenseur des Blues. Parfait. Bon à savoir, mon Jeff. Attendez-moi juste une petite seconde. Il y a comme une cochonnerie dans le top load. Tiens. Mais en effet, il n'y a pas beaucoup de grosses. Pas pour l'instant. J'en veux, là. J'en veux. Je vous assure. On devrait normalement avoir quelques cartes d'une certaine valeur. Là. On a 6 boîtes, là. C'est une demi-caisse. C'est sûr que c'est 3 produits d'années et de caisses différentes, mais on s'entend quand même pour dire que on est dû, là. Oh, David Cassay pour les Flyers de Philadelphie. David Cassay. Et je crois que quelqu'un m'avait dit, en effet, que c'était le frère de Andrej, qui, lui, avait sa Young Gun. Il y a quoi, 2 ans? Pour les Ducks d'Anaheim. Attendez-moi un instant. Load. Et là, je pense que je vais devoir vous... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais essayer de faire ça le plus longtemps possible. Je crois que je vais manquer de sleeve et je dois aller dans une autre pièce. Mais je vais attendre de ne plus en avoir. David Cassay pour les Flyers de Philadelphie Young Gun. Comme là, je vous avoue que j'ai déjà vu ces Young Guns-là. Cassay, puis... Prisky, puis la dernière fois qu'on a sorti c'est Young Gun, on a eu une belle Young Gun dans un des paquets suivants. Alors, on a ici une variation, une autre variation qui n'est pas la variante française. Celle-ci est une Street Clothes de Brady Tkachuk pour les Sénateurs d'Ottawa de... Oui, c'est Michael. Alors, Michael... C'est bien ça? Oui, Michael, excuse-moi. Alors, Michael a une belle variante Street Clothes. Pourquoi? Alors, comme la variante française, elle, c'est pas écrit ici, ça reste écrit Senators. Par contre, il est habillé avec une belle petite cravate. Fait que, il y a quelques cartes dans le set, je crois qu'il y en a une trentaine, une vingtaine, trentaine, où les joueurs portent soit des habits ou de l'habit de ville, comme on dit. Mais qui ne sont pas habillés en joueurs de hockey. Alors, Brady Tkachuk, variation Street Clothes. Et pour répondre peut-être à la question que tu te poses, Florence, comme celle que tu avais tout à l'heure, sont plus rares elles aussi. C'est juste que sont plus rares que les variantes françaises, mais sont pas rares comme numérotées sur 5. Ils sont quand même plus rares, mais font partie... De produits qu'on peut retrouver quand même régulièrement. Bill Masterton Trophy, Bobby Ryan, Blue Parallel OPG Update pour les Sénateurs. Et là, je ne veux pas une OPG rouge comme hit dans ma boîte. Je veux vous sortir quelque chose comme une High Gloss ou une exclusive, là, s'il vous plaît. Philippe Broberg, Portraits pour les Oilers d'Edmonton.
Au moins, il nous reste 3 boîtes. Ce qui veut dire qu'il nous reste 18, minimum 18 Young Guns provenant de séries différentes. Nick Robertson, Marquee Rookie pour Toronto. Et ça, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir des belles cartes dans les 3 boîtes qui restent. Ça serait bien. Dazzlers, et je crois que celle-là, elle va être une bleue. Anthony Manta pour les Red Wings de Détroit. Canvas et une Dazzlers collée. Voilà. Donc, Brock Nelson, celle-ci doit être bleue d'abord. Donc, pour les Islanders de New York. Brock Nelson. Pour les Islanders Dazzlers. Ah ouais, come on, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a une Young Gun. Allez, allez, allez. Allez, une Young Gun ici de Ilya Sorokin. Pour les Islanders, c'est très bon. Ilya Sorokin. Et boy, boy, je vous dirai pas de quelle ville il vient. Merci beaucoup, Florence, de la confirmation. Alors, Ilya Sorokin, Young Gun pour les Islanders de New York, de Florence. Et Ilya Sorokin vient de la ville Mezdourechkenchenchke. Alors, Ilya Sorokin qui va prendre la place ici de Taro Heroes. Va te reposer, Taro. J'ai besoin de toi pour le deuxième chiffre. Il en reste 5. Et il me reste 2 sleeves de petite taille. Alors, oh, on a ici pour les Sharks de San Jose, Nikolai Nijov, Rookie Materials. Pour les Sharks de San Jose, Nikolai Nijov, Rookie Materials. Jersey, Nikolai Nijov. Pour les Sharks de San Jose, 4 packs. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, je vais faire sonner la sonnerie d'une équipe. Et on est dû pour Mackenzie McTwistle des Blackhawks de Chicago, Marquee Rookie. Mackenzie McTwistle. 3 packs. Et on amorce la descente des 3 dernières boîtes suivant cela. Nous avons ici Anders Nilsson. Je savais même pas qu'il était dans le set. Oh, et pourquoi pas? Un petit Alexis. Alexis Lafrenière. Portraits Rookie. Holy Rangers. Un petit coup de tonnerre. Même si c'est pas le Lightning. Alors, pour Karine. Pour les Rangers, Alexis Lafrenière. Voilà, Alexis. Il était un peu crush dans son top load, là, mais on va le replacer. Ah, ouais, ah ouais, deux paquets, on y va. On a une OPC de Connor Ingram. Donc, un Marquee Rookie pour les Preds de Nashville, Connor Ingram. Dernier paca de notre première vague de série 1 et série 2. On va commencer la deuxième après. Est-ce qu'on a une Young Gun là-dedans? Non, une Canvas. Et Mark Scheifele pour les Jets de Winnipeg. Canvas. Bien mon Jean, je vais dire exactement comme tu dis. C'était tranquille. C'était un peu trop tranquille. Alors, laissez-moi juste. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je me prépare d'habitude, sauf que là, c'est dans une autre pièce. Laissez-moi à peine 30 secondes. Parfait, je vous reviens. Il me reste 2 sleeves. Je dois seulement aller l'en chercher dans la pièce à côté. Je vous reviens. En attendant, je vous mets une petite chanson. Pourquoi pas? Alors, pour toi, mon Alex.
timing était presque excellent. Et voilà, me revoilà. Je suis de retour. Donc, on va sortir ça de ce paquet ici. Voilà. OK, on est prêt pour le round 2. Voilà. Round 2. Deux fois les trois mêmes boîtes que nous venons de voir. Bien sûr, Karen, c'est toujours bien, une petite Lafrenière. Moi, je vous le dis, là, Lafrenière, faut pas se dire que c'est un feu de paille. C'est juste difficile. La transition là, pour un joueur entre le junior, si je peux dire, et les ligues majeures, les ligues professionnelles, c'est quelque chose. Pas pour rien qu'au baseball, très rare que vous allez voir un joueur de 18 ans. Même au football, la majorité des joueurs qui débutent sont pas mal plus vieux que 18 ans. Et c'est parti pour notre deuxième tour. Donc, il nous reste trois boîtes. La première de nos trois dernières, série 1, 19-20. Je vous souhaite la bonne chance, comme si le premier tour n'avait pas eu lieu, mais vous récoltez quand même tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas magique. Et c'est parti, Leon Draisaitl, Pure Energy, pour les Oilers d'Edmonton. Ma chaise bouge, puis des fois, je suis hors écran à cause de ça. C'est terrible. Terrible, terrible. Je bouge. C'est pas tant moi qui bouge, c'est ma chaise. Allez, les paquets sont une petite affaire collée. Je crois que nous avons notre première Young Gun de cette prochaine boîte, et elle commence comme la première avec une Young Gun des Bruins de Boston. Si on recule un peu dans le temps, je suis pas mal certain que vous vous souvenez qui était notre première Young Gun. Oui, oui, c'était lui là, c'est Senishin. Juste Curtis LeSession. Mon dieu, il joue plus lui. Zach Senishin pour les Bruins de Boston. Et donc, première boîte de notre deuxième tour de trois fois. Série 1-2, les deux dernières années. Carson Kuhlman pour les Bruins. Alors, je veux déclasser ce qui est sur le podium avec notre deuxième tournée. Et est-ce que ça commence immédiatement? Base. Et non, on a une canvas ici de Jonathan Huberdeau pour les Panthers de la Floride. Jonathan Huberdeau. Allez là. Allez, gâtez-nous. Gâtez-nous là. Plutôt, gâtez-vous. Il faut vous gâter. Generation Next. Ici pour les Blackhawks de Chicago. Alex DeBrincat. Alex DeBrincat pour les Blackhawks. Generation Next. C'est fou, ils sont collés. Pourtant, c'est pas supposé être ces années-là qui collent l'an premier. Hein. Les cartes les plus collées que j'ai jamais ouvertes de toute ma vie viennent d'une boîte de Flair Showcase de 2013-2014. Et bye-bye. Et je vous le jure, ils étaient imprégnés une dans l'autre. Là. C'était épouvantable. Alexandre Texier, Portraits Rookie pour les Blue Jackets de Columbus. Oups, ici. Alexandre Texier. Quand je vous dis imprégné, là, c'était... J'étais pas capable de les décoller. La carte du milieu, heureusement, était pas collée. Mais tout le reste, là... Donc, est-ce qu'on a notre première Young Gun? Deuxième Young Gun. Oui, deuxième Young Gun ici. Et c'est Nico Sturm pour le Wild du Minnesota. Le Sammy. Wild Wild West. Nico Sturm. C'est drôle parce que avant hier, on a ouvert dans notre break numéro 36 une boîte de 2005-2006. Et je sais pas si c'est son père, mais Marco Sturm était dans une boîte, et là, on ouvre une boîte et on voit Nico Sturm. Waouh! Je suis émotif. Ah, c'est moins collé. Un petit peu moins collé ici. C'est un meilleur hit. Et non, c'est une Pure Energy de Taylor Hall pour les Devils du New Jersey.
Taylor Hall qui, dans chaque série, et non pas dans chaque année, dans chaque série, joue probablement pour une équipe différente. Dans une, New Jersey. Dans l'autre, Buffalo. Dans l'autre, l'Arizona. Young Gun, Dante Fabro pour les Preds de Nashville. Dante Fabro. La Young Gun pour les Predators de Nashville. La ville du Cowboy et de du Country. Tennessee. Nashville. Prochain, Paca. Le pire, là, je suis vraiment pas un fan de la musique country, mais Nashville, c'est vraiment une ville qu'on m'a recommandé à aller visiter. Ça a l'air, c'est vraiment bien. Miro Heiskanen pour les Stars of Dallas Canvas. Juste pour l'ambiance, là. Ça a l'air, c'est vraiment incroyable. C'est même mieux que... Tu sais, il y a beaucoup parlé de Vegas, comme les lumières, l'éclairage, le nightlife, l'activité. Ça a l'air que Nashville, c'est beaucoup mieux. Alex Tuck, Generation Next pour les Golden Knights de Vegas. On continue notre prochain paquet. On veut voir, on veut voir. Il y a deux gars qu'on veut voir, là. Montrez-vous donc un peu, là. Une portrait, ici, de Pierre-Luc Dubois pour Columbus. Et le pire, là, c'est que si je ne me trompe pas, il porte le même nom de famille. On ne veut pas les deux, parce que de toute façon, c'est dans série 2. Alors, une Young Gun, ici, de Connor Bonneman pour les Flyers. Connor Bonneman. Cody Glass. Oh, tu veux voir Cody Glass. J'ai une bonne idée de pourquoi tu veux voir Cody Glass. Quelque chose me dit. C'est pour son équipe. Haha. Mais je te le souhaite fortement. Connor Bonneman. Young Gun pour les Flyers. On continue ensuite avec une jersey. Une jersey de qui? De Tyson Jost. Pour l'Avalanche du Colorado. Ça doit être avant qu'il se fasse échanger à Toronto. Tyson, c'est lui, hein? Ouais, c'est lui. Je pense. Ouais. Tyson Jost, Uli Game Jersey. Pour l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche. On y va. On s'est collé. Une Pure Energy. Il s'est collé, ah oui, donc. Pure Energy. Evgeny Malkin pour les Penguins de Pittsburgh. Ah, c'est ça. Excuse-moi, ça doit être Comfort ou l'autre, là. Comment il s'appelle? Il a été échangé à Toronto. Éclaire-moi, Jean, s'il te plaît. J'ai un blanc de mémoire. C'est-tu JT Comfort? Il y en a un. Je sais qu'il y en a un de cette année-là qui est parti à Toronto. Juste un peu de misère à me rappeler lequel. C'est une Mikko Rantanen. Kerfoot! Et merci beaucoup. Merci, Jean. T'as tout à fait raison. Mikko Rantanen, ici, justement, pour le Colorado. Alex Kerfoot, t'as tout à fait raison. Mon Dieu. Comme je vous dis... le début de l'année a été assez dur avec moi. Le manque de temps a paru pour les belles petites activités que je me réservais comme analyser les statistiques. Pour Toronto, Ilya Mikheyev. Alors, je dois faire un peu de rattrapage et je peux toujours compter sur des gens comme toi, Jean, pour me ramener à l'ordre. Merci beaucoup. Ilya Mikheyev pour les Maple Leafs de Toronto. C'est une Young Gun, Mikheyev. On continue. C'est encore possible d'avoir quelque chose de beau, de solide avec les prochains paquets. Il en reste encore beaucoup. Peut-être presque 8, 9. Hey, JT Comfort, justement. Carter Hart. Portraits ici pour les Flyers. Je vais me rapprocher un peu. Carter Hart.
Portraits pour les Flyers. Hey, on va-tu se dire Carter Hart cette année? Il y a eu de la misère. Et d'ailleurs, on a sa base ici. Qu'avons-nous? Oh, on a une Wayne. Wayne Gretzky pour les Oilers d'Edmonton. Insert. Wayne Gretzky. 30e anniversaire pour les Oilers d'Edmonton. On enchaîne avec une autre carte. Oh, c'est bien ça. Pour le Canadien de Montréal, Brandon Gallagher. Et en 19-20, les Red, Shooting Stars Red, sont plus rares. Hein? Ils sont considérés dans les odds comme un case hit, c'est-à-dire une par case. Alors, rouge, Shooting Stars de Brandon Gallagher pour le Canadien de Montréal. Case hit ne signifie pas nécessairement toujours que la carte vaut cher. Je veux juste le dire. Case hit, ça signifie en général une carte qui a des chances de sortir une par case. Exemple, les Signature Sensation dans les séries 1 ou série 2 sont considérés comme des case hit. Pure Energy, Steven Stamkos pour le Lightning. Essayer de voir si je peux pas retrouver. J'ai un blanc de mémoire sur Austin Matthews. Le prochain paquet ici, on a une canvas de Ryan McDonagh pour le Lightning de Tampa Bay. Je l'ai mis de côté parce que je sais qu'il existe des variations, mais il faudra que j'aille valider les photos. Là. J'ai une excellente mémoire visuelle. Mais, oh, on a un peu de retard, Francis, je pense. Une Young Gun. Galanas. Ah, bye bye. Hey, pour les Oilers d'Edmonton, il faut que je vous dise, je me suis toujours bien amusé avec son nom. Parce que quand on sépare les syllabes de son prénom, de son nom de famille, ben, ça fait une belle phrase. Et désolé pour les oreilles. Galanas. Pour les Oilers d'Edmonton. Petit inside joke avec plusieurs personnes que je connais bien aussi. Alors, Galanas pour les Oilers d'Edmonton. Young Gun. Je sais qu'il y a une Austin Matthews dans les variations, mais je pense que ça, c'est la base. Prochain PACA. Une Portraits pour les Blues de Saint-Louis de Vladimir Tarasenko. Hey, Tyson Jones. Hey. Oups, excusez. Voyons. Hey, Tyson Jones. Fallait qu'on en parle tout à l'heure. Dernier paquet, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Un petit quelque chose, là, de... Oh, s'il vous plaît, là. Je veux flasher mes lumières. Et je pense que nous aurons une Patrick Roy. Alors, Steve Matthews va aller ici. Et c'est une Patrick Roy pour l'Avalanche du Colorado. Insert... 30e anniversaire pour le Colorado. Donc, voilà. Bon, avant-dernière boîte, on va aller voir la série 1. J'ai encore de l'espoir, je vous le dis. J'ai toujours de l'espoir jusqu'à la dernière carte. Dans celle-ci, un autre 24 paquets. C'est ça qui est le fun. Et un autre 6 Young Guns. Voilà pour les 12 premiers et les 12 derniers. On met ça de côté. On y va. Oups, attention moi Alexis. Tiens. Ok, c'est parti. Premier de cette cinquième boîte. Série 1 de 2021. Predominant Claude Giroux pour les Flyers de Philadelphie. Prochain paca. Oh, pour les Jets de Winnipeg. Un petit quelque chose d'intéressant pour les Jets. Mikhail Berdin. Young Gun. Canvas. Young Gun. Canvas de Mikhail Berdin. Alors, celle-ci ne compte pas dans les 6 Young Gun. Et elle est en plus... Mikhail Berdin.
Pas de variation française. Non. Parfait. On continue. Alors, deux pécans. Une Young Gun Canvas. Ce qui veut dire qu'il nous reste toujours nos six belles Young Guns qui pourraient toujours être une d'Alexis Lafrenière. Et on continue avec une Nicolas Baudin. Young Gun ici pour les Blackhawks de Chicago. Nicolas Baudin. J'ai lu des belles choses sur lui. Pas juste parce que ça semble être un Québécois de Châteauguay. Mais de mémoire, là, je pense qu'il y a, il y a eu du potentiel là, comme défenseur. Surtout que la défensive des Blackhawks se fait de plus en plus vieillissante. Hein? Alors, Nicolas Baudin de Châteauguay pour le, les Blackhawks de Chicago. De Kevin. On continue. Let's go, let's go. On a une Dazzlers. Dazzlers ici de Brad Marchand. Brad Marchand Dazzlers pour les Bruins de Boston. De Carl. Voilà. Dazzlers, Brad Marchand. J'ose même pas dire la couleur. Je pense que c'est bleu. Attends un instant, j'ai même pas validé. Je dirais bleu, mais je suis pas sûr. Là, je suis pas très sûr. Oh, une Young Gun Clear Cut. Oh, Young Gun Clear Cut. Non, du tout, c'est pas une Clear Cut. Excusez-moi. Ah, désolé, désolé. C'est une Young Gun, par exemple. Ça, oui, c'est une Young Gun. J'étais désolé. Ah, mon Dieu. J'étais sûr que je voyais au travers. Mais non, c'est Joseph Wall. Mais non, on voit pas au travers. C'est le fond qui est foncé. My bad. Mon erreur, je suis désolé. Mais quand même, Joseph Wall, Young Gun, gardien pour les Maple Leafs de Toronto, qui vient de Dardenne Prairie, au Missouri. Joseph Wall, Young Gun. Pour Toronto, de Robert. Il va bien accompagner ton Nick Robertson. Prochaine carte ici, une Portraits de Thomas Chabot pour les Sénateurs d'Ottawa. Thomas Chabot. Bon. Pourquoi les paquets ouvrent bizarre comme ça? Alors, une autre Young Gun ici pour Toronto, Timothy Liljegren. Timothy Liljegren. Pour les Maple Leafs. Un autre défenseur. Alors, Timothy Liljegren. Juste faire un petit retour à l'arrière. Là. On a vraiment eu Wall, Baudin et Liljegren. Wall, un gardien. Baudin et Liljegren, des défenseurs. Et Berdin, un gardien. Deux gardiens, deux défenseurs. Là, on est dû des attaquants. Les attaquants. Perdek, c'était des checklists. OK, on continue. On n'en est pas encore à la moitié de cette boîte. Déjà trois Young Guns de sortie. On y va, je crois, avec une canvas. Oui, de Elias Lindholm. Elias Lindholm pour les Flames de Calgary. Prochain paquet. Une Predominant de David Pastrnak. Pour les Bruins de Boston. David Pastrnak. Prochain paquet. On a une UD Game Jersey pour le Wild du Minnesota. Matt Dumba. Ici Matt Dumba. Pour le Wild. Matt Dumba. Pas de variation. 11e paquet. Et je crois que nous avons pas de Young Gun. C'est une salle avec le drapeau. Oui, Henrik Lundqvist, NHL Worldwide de la Suède. Pour les Rangers de New York. Petite pensée à Jonathan Drouin.
avec sa base. Salut mon Joe, je sais que tu nous regardes. Si tu ne nous regardes pas, ben, tu peux nous regarder en reprise. Tuukka Rask, Bartlett pour les Bruins de Boston. On continue le prochain paquet. On a une Young Gun. Et est-ce que ça en est une bonne? Igor Zamula. Igor Zamula. Un défenseur pour les Flyers. Igor Zamula. Young Gun pour les Flyers. Ici. Pas de variation française ou de petit garçon en habit cravate. Prochain paca. Et une canvas pour les Sharks de San Jose. Erik Karlsson. Erik Karlsson. Le défenseur des Sharks. Ancien attaquant. Dans son jeune temps. Avec le Wild. Debut date de Noah Dobson pour les Islanders. Voilà, Noah Dobson. Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Une variante française. Et c'est pour Toronto. William Nylander. William Nylander. Variante française pour les Maple Leafs. Pour Toronto, William Nylander. On va l'accoter ici, William. C'est quand même un nom intéressant à retirer d'une variante française pour les Maple Leafs de Robert. Et on continue avec une NHL Worldwide. Non, ce n'est pas une NHL, c'est une Rookie Retrospective pour le Canadien de Montréal de Nick Suzuki. Prochain piquet, c'est une portrait ici de Leon Draisaitl pour les Oilers. Leon Draisaitl. Est-ce qu'on peut avoir un attaquant dans nos Young Guns, s'il vous plaît? Au moins faire un peu de variété. Là, on a une NHL Worldwide. Nathan MacKinnon pour l'Avalanche du Colorado, le Canadien. Et des cartes de hockey. Des cartes de hockey. Petit inside avec l'annonce de Tim Horton avec Sidney Crosby. Et une canvas de Keith Yandel pour les Panthers de la Floride. Avec des cartes de hockey. Hey, pas d'exclusif, pas d'ailleurs, s'il vous plaît. Clear cut, come on. Young Gun. Et qu'avons-nous? Igor, un autre Igor. Et lui, c'est Kochkov. Pour Toronto. Donc, une boîte toute Toronto et de Igor. Igor, donc ça. Igor Kochkov. Pour les Maple Leafs. Young Gun. C'est Carl qui est content. Ah, mon Carl. Trois paquets, alors. Come on, hit me. Je ne veux pas répéter la fameuse chanson de Britney Spears qui dit « Hit me, baby, one more time. » on a une Clear Cut! Clear Cut Foundation! Non, c'est pas une Clear Cut Foundation. Oh, c'est bien ça! C'est une Cup Components! C'est pour les Rangers! Une petite raison de festoyer. Allons-y, allons-y pour les Rangers! Vous réveillez en même temps par le fait même. Components de Mike Richter et Marc Messier. Ce n'est pas numéroté. C'est quand même très rare comme carte ici. Alors, Mike Richter et Marc Messier. Components qui date de la Coupe Stanley 1994. Ouais.
Mark et Mike. Mike et Mark. Hey. Hey, hey, hey. Bon. Bravo, Karine. Bravo, bravo à l'avant-dernier paquet. On a quand même eu une petite carte spéciale. Ça fait du bien. Ça change un peu de la monotonie des derniers paquets, là, je vous l'avoue. Et on y va ensuite avec une Josh Norris. Une autre Young Gun de Josh Norris. Une deuxième pour les Sénateurs. Young Gun. Jeune fusil. Et non pas Jeune Loup, parce que Jeune Loup, c'est la variation française. Et je ne voulais pas faire à croire que... Alors, Josh Norris, Young Gun, qui va rejoindre sa petite jumelle ici. Et juste valider, Canadien, Pingouin, Wildy, Oilers. OK, dernier paca avant d'aller à notre dernière boîte. S'il vous plaît. Je pense pas avoir été exaucé, puisque j'ai une Portrait Rookie de Timothy Liljegren pour les Maple Leafs de Toronto. Bon, il nous reste une boîte d'espoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on veut du beau contenu, là. Hotbox, come on. C'est quoi une hotbox? C'est une boîte qui est anormalement pleine de hits. Ce qui veut dire que les... prédictions disent Y, Z, par exemple 6 Young Gun. On pourrait en avoir 52. Ça, ça serait une hotbox. Et ça, je connais quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Les tins, les formats en boîte, là, je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, là, peut-être que ceux qui sont sur Facebook à la verticale ne voient pas dans le coin en haut à gauche à cause du bouton en direct. Mais les petites tins, donc les boîtes de métal, il y a normalement 2 ou 3 Young Gun et lui il y en a eu 52. Leon Draisaitl Award Winner pour les Oilers d'Edmonton. C'est parti, 23 paquets maintenant. Il n'y en a pas eu juste une, là. Il y en a eu quelques-unes. Je pense qu'il y a eu 3 tins, 2 ou 3 tins de... avec cette anomalie, disons. Et on peut pas vraiment se plaindre. Et pourquoi pas pour les Rangers, Alexis Lafrenière. Marquee Rookie, rétro, OPG Update. Pour les Rangers. Allez, 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 voilà, comme ça. Alors, Alexis Lafrenière. Allez, c'est un signe. Va rejoindre la Portraits ici, mon Alexis. Donc, une autre petite Alexis. Toujours moyen d'en avoir une plus grosse aussi, puisqu'il a sa carte, entre autres, dans le programme of excellence. Kevin Lankinen, Young Gun pour les Blackhawks. Comme je le disais un peu plus tôt, les Blackhawks de Chicago sont très, 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 très bien représentés dans la série 2, avec, je crois, au moins 5 ou 6 représentants. Kevin Lankinen, Young Gun. Une saison assez surprenante, arrivée à l'improviste comme ça. Parce que Malcolm Subban, c'est pas la meilleure option pour remplacer Corey Crawford. Mikhail Berdin, Portraits Rookie pour les Jets de Winnipeg. Comment? Come. Une autre Young Gun ici, et c'est Cal Foot pour le Lightning de Tampa Bay. Et voilà. Oh, le Lightning. Cal Foot. Alors, Young Gun. Voilà, Cal Foot Young Gun pour le Lightning. Petite collection d'Alexis. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Oui, en effet, Jean-François, c'est exactement ça. Puis même des fois, plus. Il y a des paquets que c'était juste de Young Gun. Yuli Canvas, Artemi Panarin. Je te jure, la vidéo est encore disponible sur la page de la personne. Écoute, c'est juste... Ça, c'est, j'ai rarement vu ça.
J'avais vu une tin une fois, je pense que c'était en 2015-2016 qu'elle avait été comme ça. C'était la seule que j'avais jamais vue. Quelques années sans en voir. Puis c'est l'année passée de mémoire. Là. Il y en a acheté quelques-unes chez Walmart et trois de celles qu'il avait achetées étaient comme ça. Ian Mitchell, Young Gun pour les Blackhawks. Malheureusement, pas dans une hobby, mais on s'entend quand même pour dire que une tin à 30-40$, il sort 52 Young Gun. Ouf! Ouais. Fait que oui, en effet. Ian Mitchell, Young Gun pour les Blackhawks. Après ça, on sait bien qu'il y en a beaucoup qui sont allés dans Walmart faire la razzia et ça s'est pas répété. J'en ai pas vu d'autres. Dazzlers de Kiefer Bellows. C'est une rose, hein, celle-ci? Pas mal sûr, elle est rose. Kiefer Bellows pour les Islanders de New York. On continue. Hopichi Blue. Hey, Alexander Nylander, c'est vrai, hein? Peyton Krebs pour Las Vegas, Blue Parallèle. écoute, viens me voir en privé. Viens me voir en privé, je vais essayer au pire de te filmer. Écoute, premièrement, il va falloir que je retrouve la vidéo. Je sais c'est où, puis je vais juste pas trop envie, en fait c'est pas un compétiteur, mais je veux pas trop faire la promotion non plus de cette page. Portraits Rookie de Maxime Letounov pour les Sharks de San Jose. Mais écris-moi en privé, je vais faire ma petite recherche, ma petite enquête, je vais te faire une vidéo de la vidéo, puis je pense que tu vas me croire après ça. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. La vidéo dure quand même une dizaine, quinzaine de minutes, là, mais juste de voir l'ouverture de quelques paquets, là, ça... Pouf. Kirill Ustimenko pour les Flyers. Marquee Rookie. Avec la nouvelle technologie des téléphones, on peut faire de l'enregistrement d'enregistrement. Fait que je vais essayer de te fournir quelque chose d'une qualité suffisante. Sean Monahan ici pour les Flames de Calgary. Canvas et une Dazzlers de Gabe Vilardi. Je crois qu'elle est bleue. Bleu, Gabe Vilardi. Ah, ben tu peux m'écrire tout de suite. De toute façon, je pourrais pas te répondre là. Mes mains sont un peu occupées. Mais gêne-toi pas. Tu peux m'écrire là pour être sûr de pas oublier... ça se peut, moi, j'ai une petite tendance à pas à l'oublier, mais à être un petit peu trop occupé. Et beau petit hit ici pour les Stars de Dallas. Jason Robertson et Ty Dellandrea. C'est une Rookie Dual Materials. La deuxième que je vois, la première, c'est quoi? Je pense même que c'était hier pour Columbus. Alors, un petit coup! Pour les Stars de Dallas, Rookie Dual Materials, Robertson et Dellandrea. On va mettre ça ici. On continue. Il nous reste une dizaine, à peu près 10 paquets. Chase Prisky pour les Panthers de la Floride. OPG Update. Les duals, en passant, sont pas mal plus rares que les Rookie Materials régulières. Milan Lucic. Alexander True pour les Sharks. Eux aussi sont bien représentés en matière de recrues dans la série 2 de 2020-2021. Oh, on est vraiment dû, là. Je vous dis, ça va finir sur le dernier paquet, ça. Dernier paquet, ça va faire boum! Braden Burke pour l'Arizona. Braden Burke. Marquee Rookie pour les Coyotes. Je commence à avoir une petite crampe dans le bras gauche.
On y va. Prochain paquet ici, on a une Young Gun Canvas pour les Red Wings de Mathias Brome. Alors, Young Gun Canvas de Mathias Brome. Pour les Red Wings. Je vais sortir un autre paquet encore. Mathias Brome. Yuri Canvas pour les Red Wings de Pierre-Luc. Young Gun Canvas. On pourrait aussi avoir une Young Gun Canvas Programme avec Excellence. C'est du déjà vu. C'était fréquent. La prochaine Young Gun ici pour les Devils du New Jersey. Ty Smith, le défenseur du New Jersey. Allez, Ty. Quand j'étais plus petit, j'aurais été jaloux de son prénom. Ty. Moi, c'est Pierre Hugues. Ty Smith, Young Gun. Lui ici a beaucoup surpris cette saison. On met ça aux poubelles. Oups. Cacher ma balle. Voilà. Alors, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Là. Come on. Là, je veux qu'on m'exauce. Je souhaite quelque chose qui mérite un boom. OK? S'il vous plaît. On veut quelque chose de valeur. Quelque chose d'écœurant. Come on. Thomas Harley. Marky Rookie pour les Stars de Dallas. Dans le OPG Update. Prochain paquet ici. Une Gilsen. Gilsen Rétro pour les Devils. C'est une OPG Rétro. Qui a les Devils. Donc, Francis. En plus d'une belle Ty Smith, tu as une Gilsen, le Suisse. Pour les Sharks de San Jose. Joel Kellman. Pour les Sharks. Yes, sir. J'ai ton message. JF, juste le baisser. Et voilà. C'est parfait. Alors, Joel Kellman, Young Gun pour les Sharks. De Kevin. Qui? Joel Kellman? Pour les Sharks, Kevin. Ou attends un peu, Francis. Gilsen. Oui, tu vas me croire, là, mais c'est. Gilsen. Ouais, petit Gilles. C'est son petit surnom. Oh, on a une Young Gun. Oh, ok. Écoutez, je vais garder le paquet. Parce que là, une Young Gun. Jeune loup. Ça pourrait être une jeune loup. On va se la garder pour la fin, OK? Jeune loup, probablement. Oh, là, j'ai hâte. Austin Pogansky. Des Blues de Saint-Louis. Young Gun de Austin Pogansky. Saint-Cloud. Pour les Blues. Oui, mais mes blues. Pose plus n'importe. Donc, notre dernier paquet avant d'aller voir qui est notre dernière carte. Et je vous l'ai dit, ça serait sur le dernier paquet. Bon, plus ou moins. Mark Stone pour Vegas. Mark Stone. Canvas pour Vegas. Et voilà, on en est à notre dernier hit, notre dernière carte qui, je crois, mérite. Ah, tellement, t'as tout à fait raison, Karen, c'est épouvantable. J'ai rien contre Gilles, petit Gilles, mais ça serait le fun, t'as un peu de variété là. Come on, ok, Gustav Lindstrom. Pour les Devils du. Pas des Devils, les Red Wings de Détroit. J'étais pas loin. Hein. Red Wings. Donc, à qui aurons-nous affaire derrière? Je crois que c'est une Young Gun jeune loup.
Oh, c'est William Lagesson pour les Oilers d'Edmonton. Les Oilers de William Lagesson, jeune loup. Oh. Pour les Oilers. Et voilà la dernière carte de ce break. Une jeune loup. Malheureusement, pas ça qu'on attendait. On aurait aimé que ce soit un peu plus impressionnant. Après ça, faut tout seul. Alors, une jeune loup de William Lagesson, jeune défenseur. Jeune, mon Dieu, 87. Tu sais, il est plus jeune. Ça ne veut pas dire qu'il est vieux, mais... Quand tu me dors, 96, ça veut dire qu'il a 25 ans. Oui, parce qu'il est en février. Alors, défenseur de 25 ans, William Lagesson, jeune loup. Pour les Oilers d'Edmonton, et c'est le temps de faire notre récapitulatif ici. Allez, allez, on va mettre au moins Josh ensemble. Voilà. Mais Gilles Sen est parmi nous encore une fois. Et je te confirme, Karine, que je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'autres, comme, mettons, Kaprizov et Stoudul. Récapitulatif, Austin Pogansky, Joel Kellman, Ty Smith, Mathias Brom-Canvas, Dual Materials de Robertson et Dillandrea, Ian Mitchell, Kale Foot, Lankinen, Korshkov, Zamula, Matt Dumba, Jersey, Timothy Lilgren et Joseph Wall, leader pour Toronto, Nicolas Baudin, Nikhail Berdin, Young Gun, Canvas, Geranas, Ilya Mikheyev, Tyson Jost, Jersey, Connor Bonneman, Philadelphie, Dante Fabro, Nigel Nikostrom, Minnesota Carson Coolman, Boston, Nikolai Nijov, Rookie Material, Taro Iros pour Détroit, David Cassay pour les Flyers, Nico Mikola pour Saint-Louis, Jalen Chatfield, Ryan Graves, Variant Française, Chase Prisky, Mackenzie Entwistle, Thomas Tatar en français pour le Canadien, Philippe Zadina, Clearcut, Tyler Benson, Liam Foody, Reed Duke, Carson Twarinski pour les Rangers, Libor Hayek, Clearcut, Cam Fowler, Connor Timmins, Zach Senishin, Alexis Lafrenière, Retro, OPG Update et Beauty Portraits Rookie pour les Rangers de Karine. Variante française de William Nylander, Toronto, Jacob Tinger, Young Gun Dallas, Nick Robertson, Toronto, Young Gun pour Tampa, Carter Verhage, les Islanders, Ilya Sorokin, oui. Josh Norris en voie double pour les Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk aussi pour Ottawa, variante Street Clothes, une Component Cup. Mike Richter et Marc Messier pour les Rangers de New York. Conquête de la Coupe en 94 et William Lagesson, jeune Laou pour les Oilers d'Edmonton. Ce qui complète le break numéro 41. Le break 41, pas le plus mémorable, je suis sincèrement désolé. C'est des choses qui malheureusement arrivent avec le contenu de certaines boîtes. Je suis désolé, mais je suis très prêt à me reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous m'encouragez dans un prochain break, ben, je suis certain qu'on va frapper encore quelque chose comme on a pu voir plus tôt aujourd'hui. Wow. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas vu, le break numéro 42, la finale est exceptionnelle. Pas la dernière boîte, mais bref, on a eu une carte assez belle de Connor McDavid autographe sur 10. Wow! Allez voir ça. Ou attendez de voir nos previews prochainement. On va probablement poster la carte. Alors, c'est wow! Je vous rappelle, ici, derrière moi, là, en tout cas là, cette tin de cop vous attend. Elle vous attend. Invitez tout le monde que vous connaissez, vos amis, votre femme, votre mari, votre n'importe qui est intéressé au milieu de la carte sportive, parce qu'à 750 membres, et ça arrive très bientôt, on est à 500, très très bientôt, là, probablement demain, 500 membres. Alors, quand on arrive à 750, je ferme pas le groupe, naturellement, mais je prends la liste complète de tous les membres du groupe, et on fait un break parmi tout le monde. On va faire tirer 31 places pour chacune des équipes de la Ligue nationale, et gratuitement,
Comme ça, pour le simple fait d'avoir participé à notre groupe, à l'expansion de notre groupe, alors on souhaite avoir le plus de gens possible, apporter le plus de personnes que vous connaissez. Ça va être un grand plaisir pour vous, pour nous en fait, de vous ouvrir cette boîte-là. C'est une boîte qui vaut dans les 1 500 $. Alors, c'est un très beau cadeau qu'on vous fait. Mais pour ça, on s'est fixé un objectif et on veut l'atteindre. On veut se rendre au minimum 750 membres pour vous donner cette boîte-là. Alors, continuez d'inviter des gens et de participer à nos breaks. Plus vous participez, plus on vous en offre et mieux les prix vont être parce qu'on doit se faire un peu la main. Et, ben écoutez, on commence. Le magasin devrait ouvrir d'ici quelques temps. On a espoir que ce soit très, très bientôt. Bientôt, une semaine, moins, peut-être, plus, je ne sais pas. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir une date exacte, mais c'est très bientôt. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Allez liker la page stack.ca. Joignez notre groupe stack.ca, groupe Live Break, carte, etc. Et sur ce, allez sur le site internet, participez au prochain break qui vous intéresse. Ça va nous faire un grand plaisir de vous ouvrir ça. Et je ne me peux plus. Bowman Baseball, hein, ceux que ça intéresse le baseball. Super intéressant, c'est un des trois produits numéro 1 de toute la saison. Vous pouvez y embarquer avec confiance. Beau trois boîtes, là. Si vous voulez commencer à vous initier au baseball, c'est le produit à essayer. Alors sur ce, passez une bonne nuit tout le monde et je vous souhaite à la prochaine. Au revoir.